الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين لوان شاء الله سبحانه وتعالى le Seigneur des mondes paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue dans notre chaîne Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cette chaîne, comme on l'a toujours dit, est une chaîne qui nous permet de comprendre cette religion par la meilleure compréhension. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui de ce mois de Ramadan. Nous allons parler des bienfaits de ce mois et comment accueillir ce mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un mois très béni. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. C'est l'objectif, c'est la sagesse de notre création. Il nous a créés pour qu'on l'adore et l'adorer seul. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Donc l'objectif de notre création, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est très important. C'est pourquoi nous sommes créés. Et parmi les plus grandes adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Saint-Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Il dit, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne de Ramadan comme on l'a prescrit aux communautés précédentes, donc ceux qui étaient avant vous. Donc, ils avaient aussi ce qu'on appelle le jeûne. Allah dit, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, l'objectif de ce jeûne du mois de Ramadan, c'est d'avoir cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette piété qui est très très importante. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ce jeûne. Il dit dans le second verset, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهَرَ فَلْيَصُمْ. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc, c'est devenu un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah, dans le hadith de Jibril, quand Jibril était venu trouver le prophète avec ses compagnons, il est assis devant le prophète, il lui a posé des questions. Et parmi les questions qu'il a posées, il dit, « Ô Muhammad, fais-moi connaître l'islam, enseigne-moi l'islam, dis-moi ce que c'est que l'islam. » Et le messager dit, « L'islam est que tu attestes, ou bien c'est d'attester que nul n'a droit à l'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad est son messager, ensuite accomplir la prière, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le hajj à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui a les moyens bien entendu. Donc, ce hadith et ce verset et l'autre hadith d'Ibn Omar qui dit « Bunya l'islam wa la khams » l'islam est bâti sur 5 piliers et parmi ces piliers, il a cité le jeûne du mois de Ramadan. Donc, tous ces versets et tous ces hadiths nous indique que le jeûne est une obligation, le jeûne est un pilier de cette religion. Quels sont les bienfaits du mois de Ramadan? Le mois de Ramadan a d'énormes bienfaits. Et parmi ces bienfaits, il y a le fait que le Coran a été descendu durant ce mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran durant ce mois de Ramadan. Il dit « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » Il dit le mois de Ramadan au cours duquel est descendu le Coran comme guide pour les gens et preuve claire du droit chemin et du discernement. Donc, c'est durant ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du Coran, du Lawh al-Mahfouz et la Bayt al-Izza. Donc, des planches protégées jusqu'à la maison qu'on appelle la maison al-Izza qui est au niveau du ciel de ce bas monde. Donc, et c'est un bienfait, c'est un mérite de ce mois de Ramadan. Parmi les bienfaits, se trouve dans ce mois une nuit qu'on appelle Laylatul Qadr, qui est khayru min alf shahr, une nuit qui est meilleure, pas égale, qui est meilleure que 1000 mois. Donc une adoration effectuée pendant cette nuit, une invocation faite pendant cette nuit, est meilleure que 1000 mois d'adoration, 1000 mois d'invocation. Ainsi que la récompense. Donc la récompense que le serviteur va avoir durant cette nuit du destin est meilleure que cette récompense qu'il peut avoir durant 1000 mois d'adoration. Donc c'est énorme. Et parmi les bienfaits de ce mois de Ramadan, le fait de jeûner ce mois avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est cause d'expiation des péchés. Le messager dit
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hein? Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, se verra tous ses péchés passés pardonnés. Et c'est très important. Parce que c'est à cause de ses péchés que le serviteur ira en enfer. Donc s'il y a une cause d'expiation de ses péchés, il faut s'en dire que c'est énorme, c'est un grand bienfait. Alors profitons-en, c'est très important, chers frères, chères sœurs. Et ce mois de Ramadan aussi nous permet de nous purifier, non seulement de purifier la foi, mais aussi le corps. Et les spécialistes de la santé disent que jeûner nettoie le corps des vieilles cellules, nettoie le corps des graisses, nettoie le corps des toxines et lutte contre les pathologies métaboliques. Très important. Donc, jeûner a une grande importance, a un grand avantage. Comment accueillir ce mois de Ramadan, chers frères, chères sœurs? La première des choses, ikhlas ou niyya, c'est la bonne intention. Il faut avoir une bonne intention. Il faut avoir dans ton cœur que tu es en train d'accomplir un pilier, un ordre divin. Donc ne jeûne pas parce que tu as vu les autres jeûner. Ne jeûne pas pour ne pas qu'on te blâme. Plutôt tu jeûnes parce que c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu veux la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala dit As-sawmuli, le jeûne m'appartient, wa ana ajizibi, et c'est moi qui vais récompenser le jeûneur. Il y a une porte au paradis qu'on appelle Babur Rayyan, qui est réservée seulement pour les jeûneurs. Alors tu jeûnes parce que tu veux tout ça, parce que tu veux entrer par cette porte, parce que tu veux faire plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne jeûne pas donc par ostentation, pour se faire voir, pour se faire entendre, pour ne pas qu'on soit blâmé parmi les amis, parmi la famille, parmi les voisins. Non, tu le fais parce que tu as une bonne intention, tu veux, tu optes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette bonne intention, elle se traduit par al-azima, qui est la détermination de jeûner. Donc il faut être déterminé de jeûner le mois de Ramadan. Et aussi, elle se traduit par le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide. C'est très important. Donc, toi seul, il faut avoir une ferme conviction, une détermination. Je vais jeûner ce mois et ce serait peut-être mon dernier mois de Ramadan. Donc, je vais bien jeûner ce mois. Car nous étions avec des parents, nous étions avec des frères, des sœurs, des papas, des mamans, des voisins, des collaborateurs qui ont jeûné l'année passée avec nous, mais qui ne sont plus. Et dis-toi que l'année prochaine, peut-être ce serait toi. Donc on va parler de toi. Mets ça en tête et réfléchis bien. Dis-toi que c'est mon dernier jeûne de Ramadan. Alors je vais bien faire ce mois de Ramadan. C'est important. Donc il faut avoir cette idée, mon frère, ma soeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas de l'ostentation dans le travail. Il ne veut pas du shirk. Il ne veut pas qu'on l'associe. Et le messager d'Allah nous dit innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Les actions ne valent que par leur intention. Et chacun est rétribué en fonction de son intention. Si tu as une bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala va te rétribuer. Mais si tu as une mauvaise intention, sache que tu perds ton travail, tu perds l'effort que tu es en train de faire. Donc, ayons une bonne intention de jeûner ce mois de Ramadan. Deuxième point, at-tawba wa l'istighfar, le repentir, le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'avec les péchés, on a du mal à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque tu fais des consultations pour tes maladies, diabète, tension et autres, il faut aussi faire une consultation de tes péchés. Il faut voir, est-ce que tu as des péchés? Oui, et il faut te repentir, il faut demander pardon. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés, tu auras le corps très léger. Donc tu pourras adorer Allah subhanahu wa ta'ala vraiment avec légèreté, dans de très bonnes conditions. Sinon, les péchés vont t'alourdir et tu auras de la paresse. Tu ne pourras pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois. Et c'est une occasion pour toi de te repentir. C'est très important. Donc, nous devons nous repentir avant l'arrivée de ce mois. Troisième point, ad-du'a'u wal-isti'ana.
invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider afin d'atteindre ce mois et de déjeuner en bonne santé et dans de très bonnes conditions avec ikhlas, avec niya khalisa, donc avec une très bonne intention. Et seul Allah peut nous le faire. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Toi seul nous adorons, toi seul nous implorons. Les savants disent que la plus grande sourate du Coran, c'est Al-Fatiha. Son trésor, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, ils disent pourquoi? Parce que Iyyaka na'budu indique ici le but de la création. Wa iyyaka nasta'in indique le moyen pour atteindre ce but. Donc, si ce n'est pas par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'adorer. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide. C'est pourquoi il a associé l'adoration à ce moyen qui est al-isti'ana. Al-isti'ana est un type d'adoration. Donc, il ne faut pas le négliger. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, aide-nous afin que Ramadan nous trouve en vie et en bonne santé et accorde-nous tous les moyens pour qu'on puisse jeûner le mois de Ramadan dans de très bonnes conditions et comme tu le souhaites. Parmi toujours les points qu'il faut pour l'accueil de Ramadan, attafaqquhu fi ahkami siyam, fi ahkami Ramadan, le fait de chercher à apprendre les règles du jeûne, il faut connaître les obligations, il faut connaître les actes sunnah, surrogatoires et les actes annulants. Il faut connaître qui doit jeûner et qui ne doit pas jeûner. Donc, il faut le savoir. Il faut tout le savoir. Il faut tout savoir avant le mois de Ramadan. Donc, il faut apprendre cela à côté des savants qui vont t'enseigner, inshallah. Et parmi toujours les points, il y a tasamuh, le fait de s'excuser. Il faut pardonner tes frères. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innamal mu'minuna ikhwa. Les musulmans ne sont que des frères. Le messager dit, wa kunu ibadallah ikhwana. Soyez vos serviteurs d'Allah des frères. Donc nous sommes des frères, alors essayons de renforcer cette fraternité. Sachant que ce mois béni qui vient pour nous purifier. Alors n'accueillons pas ce mois avec des haines, des rancœurs que nous avons pour nos prochains. Non. Et parmi le comportement des compagnons du messager d'Allah, comme c'est venu dans un récit, que les compagnons n'accueillaient pas ce mois alors que l'un d'eux avait dans son cœur le poids d'un atome de rancœur ou de haine pour son prochain. Alors purifions nos cœurs, excusons-nous, pardonnons-nous, c'est très important, nous sommes tous des frères. Et pour conclure, nous allons juste donner des conseils donnés par des spécialistes. Ce mois de Ramadan n'est pas un mois de surconsommation. Alors nous maintenons les trois repas. Le repas de l'iftar, c'est-à-dire la rupture du jeûne, et de préférence, il faut prendre quelque chose, un aliment sucré, mais sucre d'assimilation rapide, comme par exemple les dattes, comme l'a recommandé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le meilleur, c'est les dattes, et avec du lait, avec de l'eau. C'est très important. Et ne pas utiliser les aliments trop chauds ou les aliments trop frais, non. Il faut être au froid, il ne faut pas les utiliser lors de la rupture. Il faut prendre un peu de date, un peu de l'eau, un peu du lait si vous en avez besoin vraiment. Et attendre que l'estomac se prépare pour digérer les aliments, ensuite manger une ou deux heures après la rupture. Et le deuxième repas, qui est ici le repas de la nuit, il ne faut pas prendre un aliment lourd, non, il faut chercher à prendre un aliment très léger, c'est très important parce que tu es en train de te coucher. Donc l'organisme ne peut pas fonctionner normalement, donc tu dois prendre une alimentation bien équilibrée et un aliment léger. Et lors de al-suhur, qui est le troisième repas que nous prenons avant l'aube, et là il est fortement recommandé, le messager l'a dit, tasahharu. Prenez le suhur, il y a dans ce suhur de la baraka, de la bénédiction. Donc essayons de prendre ce repas qui est très important. Et celui qui ne peut pas manger, par exemple, quelque chose de lourd, il peut prendre quelques gorgées d'eau ou quelques dattes, juste pour avoir cette bénédiction qui est très importante. Donc maintenant ces trois repas. Et le mois de Ramadan n'est pas un mois de consommation, c'est un mois de jeûne, c'est un mois de repentir. Alors, essayons de renforcer notre foi durant ce mois. Et la plupart des gens sont inquiétés. Ah, le Ramadan vient, le Ramadan vient. Et pourquoi?
Tu as un invité qui vient pour t'aider à te purifier, à t'effacer tous tes péchés. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas heureux? Alors, sois heureux, c'est très important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette chance, nous accorde la vie, nous accorde tous les moyens pour qu'on puisse gêner ce mois de Ramadan. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.